Léopold, son père, était un homme exigeant. Combien de fois Wolfgang lui avait reproché sa dureté, ses jugements inflexibles et sa soumission aux puissants de ce monde, à commencer par son employeur, le prince archevêque de Salzbourg. « Travaille davantage, Wolferl, sinon tu ne pourras jamais devenir le compositeur en titre de cette cour. Pense que nous sommes ici pour servir notre prince, pour le divertir, et que notre vie et nos ressources dépendent de son bon plaisir. » Il ne mesurait pas encore la portée de ses paroles, mais un malaise le gagnait déjà en les entendant. Cette révolte, cette rage qui allait bientôt monter en lui à l'âge adulte, contre les abus des puissants de ce monde, il la pressentait déjà pendant ses jeunes années. Était-ce cela la musique? Faire plaisir à un archevêque? Fallait-il travailler autant et sacrifier son enfance pour devenir le domestique zélé du Seigneur qui les employait? Il n'avait en fait pas trop le temps de réfléchir à tout cela. Très vite, son enfance allait être occupée par d'incessants voyages, patiemment organisés par son père, pour le faire connaître un peu partout, mais aussi pour développer sa culture musicale, au contact des plus grands compositeurs et interprètes que comptait l'Europe. C'était du reste tout le paradoxe de ces 9 longues années de voyage. D'un côté, il en voulait à son père de l'exhiber comme un singe savant dans un cirque ambulant, de gagner de coquettes sommes d'argent en produisant l'enfant surdoué qu'il était, ce petit miracle sorti d'on ne sait où. Il lui en voulait aussi de l'avoir enlevé de Salzbourg pendant 7 ans sur 9, et pire encore, de l'avoir privé de sa mère pendant 3 ans et demi au total. Il était parfois en colère à l'idée de penser que ses amis coulaient une vie tranquille, tandis que lui devait faire des centaines de lieues en voiture à cheval, ou même à dos d'âne, quand il passait les cols des plus hautes montagnes. Il lui fallait s'exercer tous les jours au clavier et au violon, sous l'œil intraitable de son père, jouer en public dans des centaines de concerts, ne pas oublier ses travaux scolaires, apprendre plusieurs langues et se sentir à l'aise dans les usages des différentes cours princières ou royales qu'il traversait.